Bonjour tout le monde, ici Deldero pour vous servir. On se retrouve pour cette nouvelle session de The Witcher 3. Nous sommes donc dans des ruines elfiques où Ciri aurait potentiellement, enfin aurait dû se rendre si elle avait rencontré apparemment un elfe mage qui l'attendait. Nous allons assister à une projection de cet elfe. Qui va certainement nous dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur où se trouve son lieu de sa cachette. Voilà. Kepi, il fait allusion au monstre marin? Non, c'était le nom de la jument de Ciri. Apparemment, elle galopait comme un démon. Joli nom pour un cheval. Bon, on se met à sa recherche. Il nous reste à trouver. Donc vous voyez là, apparemment il y a des signes comme ça. Donc là c'était bien l'hirondelle. Je pense qu'il doit y avoir des trucs. Ah oui, le chemin le plus direct hein, n'est pas souvent le meilleur, hein, évidemment. Une porte scellée. Ici non. Par contre, moi j'ai vu un truc en bas qui a l'air intéressant. Un cheval dessiné. Ça doit être un indice destiné à Ciri. Ok, donc c'est en dessous. J'espère que nous ne ratons rien. Remontons. Voilà. Je vais mettre. Ça, parce que là on n'a plus la mâche pour nous faire de la lumière et vous ça pourra vous aider. Un autre cheval, presque identique au précédent. Sur YouTube c'est étrange mais les vidéos sont toujours plus sombres. Geralt, je sais pas ce que t'as fait mais ça a marché. Reviens par ici. Viens voir. Ah ouais effectivement. Bon, maintenant je sais que c'est ce portail qui perturbait mes téléportations. Moi je sais pourquoi j'ai atterri dans un nid de noyeurs. Tu devrais t'estimer heureux d'être ressorti du portail en un seul morceau. Et tout le monde s'étonne que je déteste la téléportation. Je crois que c'est... C'est une erreur. Ça a marché. Viens. Ok, c'est parti. Un... Ok, on va faire une petite sauvegarde parce que le machin qui est en face là m'inspire pas grand chose. Si regardons ce que l'on a, botte de chasse. Est-ce qu'on a une potion, quelque chose qui va bien? Je suis pas sûr que ce soit une créature maudite. Un golem à mon avis, ça doit pas être maudit mais plutôt manipulé. Ok, je pense que ça serait peut-être mieux. Allumer. Faisons de la lumière. Comme un mauvais pressentiment. C'est réel non identifié. Impressionnant. Détruit les intrus. Ouais, ça va être aïe 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 aïe. Mais tu vas me laisser sortir de là s'il te plaît bonhomme, ça serait cool. Oh putain le type quoi, sérieux. Mais sérieux! Arrêtez quand même! Putain! Ah non, pas de chat! Aujourd'hui c'est. Ah
Aïe 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 aïe. Ça en mettre une. Ok. Ben, il est pas de tout repos ce mec. Allez, 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 hop, un petit peu de pain, un petit peu de pain pour la route. Ouch. Couché. Couché. Eh mais c'était mon golem. Ok. Ouais, moi j'étais pas très sûr. L'huile contre les vestiges. C'est maintenant que j'en ai. Ah putain. Ok, il manque quoi? Du gay. Et gay. Pierre. Ok. J'espère que j'ai pas raté. Si j'ai raté. Feras-tu une fois que tu auras trouvé Ciri? Tu as des plans? Tout dépendra de ce qu'elle veut faire. Tu as réfléchi à comment ça se passera? Tu as un plan à droit. À l'apparence qu'elle aura? Voilà, elle sera plus vieille de 30 ans, quoi. Non. Désolé d'être aussi indiscrète. J'ai tendance à oublier. Le jeu veut que j'aille par là, mais. On va aller par là, histoire de voir si on n'a pas un truc intéressant. Non, tiens. Ne t'en fais pas. Notre créature élémentaire. Pote de cavalerie. Ouais. Il y en a un autre là-bas. J'ai pas trop envie de retenter l'expérience, si vous voyez ce que je veux dire. Donc continuons à explorer. Là-bas, un téléporteur. Il faut l'activer en vitesse. Mon petit doigt me dit qu'un autre golem va nous tomber dessus. Une autre hirondelle. Regarde, ça a marché. Ok, c'est parti. On a réussi à traverser le pont. C'est là qu'on a vu la chasse sauvage. Génial. Ça veut dire qu'ils ont une bonne avance sur nous. Allons-y. Bien. C'est la chasse sauvage. Pas de doute. Pas de doute. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux sentinelles du mage? Je doute qu'ils soient venus ici pour discuter. Parce que tu y croyais vraiment. Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer. Charon. Esai Issa, Tabar Torin, Lilin Niamar, Rain. J'ai peur un instant que le jeu est planté. Je pense qu'il y a eu un gros coup de freeze. Fondu enchaîné que la carte graphique a peut-être pas supporté. Enfin, du moins le pros ou enfin bref, un truc.
mage de la chasse l'a invoqué. Tu peux sceller ces failles, ça passe à travers. Elles sont trop éloignées. Il faut qu'on se rapproche. Je vais invoquer le barrage de Demetia Crest pour nous protéger. Reste près de moi. Ok. Ah ouais, effectivement. Ne t'éloigne pas de moi. Tu vas faire lequel en premier ? Je crois pas qu'il aurait été plus simple de faire l'autre par là-bas. Je trouve plus près. Uni ! Allez, viens. Next. Hop, ça c'est fait. Allez, viens mon coco, viens. Moi j'aime pas le froid, mais toi je sens que tu n'aimes pas le chaud. Restons dans le bouclier. Hop. Voilà. Et de une. Là tu vois ma cocotte, je vais te tourner, il y en a une autre là. Je pense que tu peux le faire. Je suis pas sûr, mais ok. Ok, tu passes à côté, ok. Moi c'est pas trop ce que j'aurais fait. Personnellement, je me serais tourné et j'aurais essayé de la sceller. Mais toi tu préfères passer à côté. Ouais. Bah let's go. Bainekalar. Approchez, chien de l'enfer, et brûlez. Mourez par le tranchant de mon épée. J'étais à peu près sûr qu'il y en avait un autre. Coucou. Burn, bitch, burn. Aïe. La chair pourrie. Pouvoir le donner à l'autre là qui voulait faire des sandwichs spéciaux pour le voleur. Ah, des fois Kira tu fais des trucs chelous quand même. T'aurais pu, je sais pas moi, te mettre à côté, mais non, faut que tu sois devant. C'est quand même bizarre. Allez, un tas de molosses de merde. Eh ben tant mieux. On va aller ramasser tous les trucs qu'on a parce que... Oh merde, pardon, excusez-moi. Ça va passer. Je suis juste un peu fatigué. Ouais. Ne t'évanouis pas. Ce serait triste. Maintenant que tu me tiens dans tes bras, jamais de la vie. Ce n'est pas que ça me dérangerait de rester ici avec toi, mais... Ouais. Je sais, je sais. On doit continuer.
J'ai pas fini mon tri, moi. Ils ont bloqué le passage. Laisse-moi faire. Pas nouveau. J'en oublie un. Masse de monstres. En plus, il y a des coffres. C'est bon, ça. Ouais, un coffre pour de l'eau de vie. Le mec, quoi. On peut peut-être encore les rattraper. Sérieux, le mec qui met de l'eau de vinaine dans son coffre, franchement, ça a intérêt à être du bon cru parce que l'autre il met de l'eau tout court. Quoi. Pff, c'est n'importe quoi, moi je vous le dis. Tiens, allumez le feu. Il va peut-être dégeler la zone. Sale temps, merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, t'y serais passé, hein. Allez, admets-le. Je l'admets. C'est sûr, là, pour le coup. Ah. Est-ce qu'on peut péter ça? Voyons voir. Est-ce qu'on peut péter ça? On peut péter ça. Par contre... C'est un peu la zone, ici. Permettez, je passe. Peut-être des trucs intéressants. Ah oui, forcément un truc intéressant. What? Brûle. Meurs. Saleté. Laisse-moi regarder mon trésor. Décoction de charte. Ok, ouais. On verra ce que c'est. Récupérons les restes de ce cadavre fumant. Un peu de viande. Et hop. Ok. Il nous attend. Ça sent le combat là. À votre avis, c'est un humain, c'est un mort-vivant, c'est un nécrophage, qu'est-ce donc? On va faire ça, tant qu'on peut. Faire ça aussi, tant qu'on peut. Ah, mais qu'est-ce donc? On peut le savoir, que suis-je bête? Le bestiaire. Non. Spectre. Ok. Didacticiel, peut-être que c'est non, non, je sais pas. Personnage, peut-être. Non. Ok, tant pis. On va quand même reprendre des PV. Une petite heure. On va essayer de s'organiser un poil. Des runes qui vont sur les armes, c'est bon ça. 3% d'infligé gel, je pense que lui on s'en fout. J'avoue, je sais pas ce qu'on va. Si ça va être l'argent ou pas. Bah, donc on va rester là-dessus. On va se mettre. Ini. Et Axie. On va faire une petite sauvegarde et on va se faire le combat. Wow, quoique je vois le chrono, mesdames et messieurs. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, vous aurez le combat contre l'un des chevaliers de la chasse sauvage, l'un des guerriers de la chasse sauvage. J'espère que ce combat va pas être trop compliqué, qu'il va être en tout cas moins compliqué que celui face au loup-garou. Je ne sais pas s'il s'agit d'un humain, s'il s'agit d'un démon, ou s'il s'agit d'un mort-vivant. Nous verrons donc dans le prochain épisode ce qu'il en est. Je pense que je vais
Même pas, puisque lui contre le nécrophage, ce n'est pas un nécrophage, donc cela ne servira à rien. Donc, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans le prochain épisode pour lutter contre ce guerrier de la chasse sauvage dans un combat magique qui opposera Karametz, ce guerrier, Geralt de Rive. C'était donc Deldero. Je vous dis à bientôt. Allez, à ciao tout le monde.